Des vacances studieuses pour ces élèves de la ville de Guitry. Le temps d'un atelier pédagogique, ils se forment sur les dangers liés au travail des enfants. Outre les manuels de cours, en rapport avec cette notion, un film pédagogique est projeté par les formateurs. Il évoque le processus de transformation des fèves de cacao en chocolat. On n'utilise pas pour les pays, là, tu crois ? Le sécateur. Applaudissez pour votre ami. J'ai retenu qu'un enfant doit aller à l'école et non pas aller au champ. Je voulais dire, messieurs, c'est la première dame d'être venue pour nous sensibiliser mes parents. Cet atelier pédagogique est une initiative de l'ONG Les Amis de San Pedro, partenaire du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, CNS. Je me suis engagé à prolonger le message du CNS en France pour dire aux petits Français que j'enseigne que le cacao ivoirien est un cacao qui ne tue pas les enfants dans les plantations. Donc c'est mon message que je porte. Cette campagne de sensibilisation à l'endroit des populations de Guitry était placée sous le thème « Vacances scolaires sans travail des enfants ». Protégeons nos enfants des travaux dangereux dans la cacaoculture.